Kazé no Tani no Nausicaa, soit Nausicaa de la Vallée du Vent, est une manga de science-fiction d'Hayao Miyazaki paru dans Amikaze Auntie de 1982 à 1994. Après que la civilisation industrielle, il y a 1000 ans, ait ravagé la Terre, l'humanité s'est reconstruite en une multitude de petites cités-états dominées par deux grandes puissances, les Tolmecs et les Dorks. Mais l'humanité doit surtout se battre contre la mer de décomposition, une gigantesque étendue de spores et de champignons toxiques qui contamine inexorablement les terres saines, et qui est peuplée d'une foule d'insectes géants. La Nausicaa du titre est la princesse de la Vallée du Vent, un petit état coincé entre des collines et entouré par un désert et l'océan. Ce sont les vents marins qui la protègent de la mer de décomposition et assurent à ses habitants une vie paisible et prospère. Alliée aux Tolmecs, la Vallée du Vent doit fournir des hommes et du matériel à ces derniers dans la guerre qui les oppose à l'Empire Dork. Nausicaa doit donc quitter sa vallée pour lutter auprès des Tolmecs, ce qui va l'amener à prendre la mesure de l'état du monde qu'il a. Ce qui frappe à la lecture de Nausicaa est toute la complexité et le souci du détail apporté aux interactions politiques dans l'œuvre. Si l'Empire Dork est fondé sur le principe de cité-État, assemblé au sein d'une théocratie peu résiduelle politiquement, où seule la foi lie les différents États, l'Empire Tolmec est une monarchie constitutionnelle, où tout un jeu de coulisses complexes gravite autour du roi et de ses descendants. Tant les princes que les hauts placés ont à travailler et à se salir les mains pour monter au sommet. La froide et calculatrice princesse Kusanna apparaît comme une antagoniste diamétralement opposée à la sensible Nausicaa, mais elle demeure une actrice qui a décidé de jouer le jeu politique de son royaume avec bien plus de principes que ses adversaires. Face à Nausicaa, elle apparaît comme un être cruel, mais face à ses frères et aux aînés de son royaume, elle s'avère bien plus compatissante et forcée d'un honneur bien plus fort. Rien n'est jamais manichéen, c'est Miyazaki. Ce qui est bon et juste pour un semble monstrueux pour un autre, et ce qui semble inhumain pour l'autre sera justifié et raisonnable. Nausicaa a beau être un personnage important dans sa vallée, elle n'est qu'un pion dans l'échiquier mondial, dans un jeu qui la dépasse largement. Miyazaki réussit en peu de temps à dépeindre un monde complexe, bien plus grand que l'héroïne, d'une crédibilité inquiétante, un univers à la fois intime et humain, tout autant que global et politique. Nous avons donc deux empires qui fondent leur philosophie sur deux principes. La spiritualité pour les Dorks et la technologie pour les Tolmecs. Les Dorks se croient en guerre sainte où, par droit divin, ils doivent propager leur foi sur toutes les terres des hommes. Ils croient au pouvoir de l'esprit, aux forces surnaturelles qui doivent être contrôlées afin d'accroître leur pouvoir. Ils utilisent toutes les voies possibles pour accroître leur influence. Au contraire, les Tolmecs placent leur salut dans les technologies, particulièrement celles de la civilisation industrielle. Ils cherchent à retrouver leur niveau avancé de technologie tout en ne répétant pas les erreurs qui ont bouleversé l'état du monde. La science et la technologie sont des outils menant à une supériorité militaire. Tout peut être expliqué et défini. Mais dans les deux cas, l'humain demeure au centre de la réflexion, sans la moindre considération sur l'impact qu'il crée sur leur environnement, ni sur les ressources nécessaires pour atteindre l'homme. Ce qui mène à un autre grand point de l'œuvre, le message environnementaliste. La conscience écologique de Miyazaki est plus approuvée. Présent en filigrane dans ses premières séries comme Heidi ou Colin Fils du Futur, il a connu le plus de succès avec ses chefs-d'œuvre Princess Mononoke, Spirit Away ou Laputa, contenant tous une facette écologique forte. Mais c'est dans Nausicaa qu'il a pour la première fois clairement défini sa pensée écologique avec nuance et sensibilité. Un message qui, au-delà de l'éternel respect de la nature, prône essentiellement un équilibre dans le rapport entre humain et environnement. Le monde désertique et dévasté qui caractérise l'univers dépeint dans la manga est le fruit direct des excès de la civilisation industrielle, civilisation qui a abusé et détruit les ressources qui l'entouraient. La nature semble avoir réagi en créant la mer de décomposition, cette étendue toxique et mortelle en perpétuelle croissance. Contre-attaque de la nature contre les humains qui l'ont attaqué. Humains qui à leur tour se défendent, ils n'ont trouvé comme seule réponse que de brûler les champignons qui la composent et tuer les insectes qui l'habitent. Mais en écartant plus près, ce que Nausicaa sera la seule à faire, nous réalisons qu'elle est constituée en un écosystème complexe où chaque élément sert un but.
Contrairement à la doctrine populaire dans les années 80, voulant que les humains devaient protéger la Terre contre eux-mêmes, Miyazaki a toujours eu une philosophie plus tranchée. La nature sera toujours plus forte que les humains, donc devons apprendre à cohabiter harmonieusement avec elle si nous voulons survivre. Nos excès ne menacent pas la Terre et nous menacent nous-mêmes. À l'époque, ce point de vue semblait à beaucoup extrémiste et fataliste, mais force est d'admettre que Miyazaki a eu raison sur la durée. Cela étant dit, il y en aurait très long à dire sur le maître Hayao Miyazaki, seul artiste à avoir égalé l'impact d'Osamu Tezuka sur le monde de la manga. Mais concentrons-nous sur Nausicaa. Réalisateur et scénariste productif dans les années 70, c'est Toei Animation où il a travaillé sur des séries comme Sherlock Holmes, Future Boy Conan ou Lupin le Troisième. Le succès de son premier film, Le Sato de Cagliostro, second film de Lupin le Troisième, va lui apporter assez de notoriété pour faire avancer sa carrière. Il va proposer à Takuma Shoten, un rival de Toei, son projet de film Yara Reine de la Vallée des Vents, une adaptation de la bande dessinée Wolf de Richard Corbett. Mais la société se montre très peu intéressée. Néanmoins, une autre compagnie, Animagé, par son directeur Toshio Suzuki, propose à Miyazaki d'en faire une manga afin d'en tester la popularité. Le projet s'éloignera vite de la bande dessinée originale pour devenir Nausicaa. La princesse tire son origine du conte folklorique japonais, la princesse qui aimait les insectes, et de la princesse Nausicaa, un des personnages de l'Odyssée d'Homère, qui prend soin d'Ulysse avant que ce dernier la trahisse et l'abandonne. La publication d'un manga commence en février 1982. Cette œuvre qui mélange science-fiction, monde post-apocalyptique, écologie et politique, s'avère un succès immédiat. Un an après le début de la publication, la production du film commence. Animazé s'est associé avec Toei Animation pour la production du film, mais Miyazaki a su garder un grand contrôle artistique. L'histoire du film correspond plus ou moins aux deux premiers volumes des mangas. Un vaisseau Tolmek envahit la Vallée des Vents afin de les protéger de la guerre contre les Dorks. Mais les intentions de la princesse Kusanna et de son subalterne Kurotawa sont plus perfides que cela. Pour le bien de son peuple, Nausicaa doit aider Kusanna dans sa guerre. Pour des raisons de limites temporelles, Miyazaki a dû contraindre son récit à l'essentiel. Il a ainsi évacué une grande partie de l'aspect politique complexe de l'histoire pour mettre de l'avant la pensée écologique plus facile et rapide à développer. Alors que la manga utilisait Nausicaa comme une guide pour le lecteur au travers d'un monde complexe, le film est centré autour de la princesse et se limite à exposer ses efforts pour préserver sa vallée de l'envahisseur Tolmek. Ces derniers sont dépeints, tout comme dans la manga, comme un empire militaire prêt à tout pour gagner leur guerre, en passant par la maîtrise de la technologie ancienne. Les Dorks, pour leur part, sont à peu près absents du film. Si ce n'est une troupe que croit Nausicaa et qui cherche à retourner les insectes géants contre les Tolmek. Tout l'aspect religieux et spirituel qui les caractérise dans la manga est absent. Néanmoins, on retrouve les mêmes thèmes dans les deux œuvres, à savoir un message d'espoir en l'humanité, qui passe par la paix entre les peuples et la coopération, et le respect de la nature dans un équilibre en utilisant et préservant ses ressources. La manga le fait simplement de façon plus sombre et ambiguë. Le film reste une bonne introduction à l'univers du manga, mais il demeure que le film a connu un succès phénoménal, s'imposant comme une des grandes œuvres de la culture populaire au Japon. Succès qui a permis à Miyazaki de terminer la manga, mais surtout d'avoir la crédibilité et les moyens pour fonder le studio Ghibli. Et que ce soit sous une forme ou une autre, Nausicaa contenait déjà les 5 grands thèmes qui définiront la démarche de Ghibli, soit le discours féministe de Miyazaki qui passe essentiellement par des personnages de femmes fortes, la préoccupation écologique de l'impact de l'activité des humains sur l'environnement, le discours anti-guerre afin de trouver des solutions différentes au conflit de façon neutre, la dualité entre science et magie, comme deux disciplines autant complémentaires qu'opposées, et évidemment l'apport des scènes aériennes. De plus, Nausicaa est la première œuvre des Miyazaki à être construite comme un périple initiatique pour son héroïne, qui se retrouve seule dans un monde inconnu, quittée par un sans allié et où elle croisera plusieurs épreuves. Laputa, Pocoroso, Kiki, Mononoke Aime, Spirited Away, Howl's Moving Castle, voire même dans une moindre mesure, Totoro et Ponyo, sont tous construits de cette même façon. Durant toutes les années 80, Nausicaa est resté le personnage féminin préféré des fans japonais et a eu droit à quelques références dans les séries populaires. Nausicaa est la seule œuvre de Miyazaki à avoir été adaptée en jeu vidéo sur différentes consoles du milieu des années 80. Le jeu était si mauvais que Miyazaki refuse depuis ce temps
que ces films soient adaptés en jeu vidéo. Néanmoins, le classique méconnu de Nintendo, Crystalis, rend largement hommage à Nausicaa dans son monde post-apocalyptique et peut faire office d'adaptation sympathique. Nausicaa est aussi un des premiers films d'animation japonais à avoir été largement distribué en Occident en 1990 sous des adaptations et des traductions qui prenaient bien des libertés avec l'œuvre originale. Que ce soit la version anglaise, Warrior of the Ring, ou la version française, La Princesse des Étoiles, ces versions sont reconnues pour avoir coupé une bonne demi-heure au film pour se concentrer sur l'action au détriment du message écologique. Miyazaki a été si furieux avec ces changements pour les films suivants du studio Ghibli, dans le cas de Mononoke Hime, il fit envoyer un sabre à Disney avec la mention « No Cut ». Même si Nausicaa n'est pas le chef-d'œuvre de Miyazaki, elle demeure une œuvre puissante qui a aidé à faire connaître et découvrir l'univers des mangas et le maître lui-même en Occident.